Salut tout le monde, c'est Zophil. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de Star Wars The Old Republic. Donc, on va tout de suite commencer à jouer. Je crois que c'est l'intro la plus mal faite de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Là, on peut en être sûr. Voilà. Le manque d'idées, le manque d'inspiration, tout ça, et je n'arrive plus à jouer. Ah si, ouais. Ah non, c'est parce qu'il est plus fort, c'est tout. Il est en train de me niquer complètement. Une fois que j'aurais battu lui, j'aurais aucun mal à battre son oxydé. Vas-y, je prends tout. Vas-y, je prends même quand lui il est là. Je m'en fous, la vie régène. Et voilà. Je prends tout, moi. Je prends tout. Et voilà. Victoire. Donc, aujourd'hui, on est censé prendre la clé d'un maître guerrier. Maître guerrier déchiqueteur. Je suis en bonne direction. Ah oui, c'est bon, je suis en bonne direction. D'accord. Ah, d'accord, c'est par là. Oh mon dieu, déchiqueteur, donc, tiens! Je m'en fous de ta bulle de force, je sais pas quoi. Je passe à travers. Et il ne me loot rien du tout. Quel gros arnaque. Oh. Pauvres chatons. Ils ont été abattus par des. Par des. Par des déchiqueteurs. D'accord, donc ça c'est le tunnel. En fait, c'est l'autre bout du tunnel. En fait, parce que. Ils sont tous en train de dormir. On va devoir tous les affronter. Oh non! Oh non, mais dites pas ça. On va devoir. Ah! Ça se te fera plus tard. On s'en fout. On les a pas dans leur sommeil. Nous sommes des. Ah! Chuteur traditionnaliste. Tiens. Je sais pas s'ils se tuent entre eux, bizarrement, mais bon. Il y en avait un où j'avais pas pris le stuff. Tuteur récupérateur. Ok, c'est très très buggé, on voit ça. Hein. Prendre la pleine technologie des cheaters. Bonjour tout le monde! Oula, je suis pas l'attaque qu'il était en train de me faire là, mais. Je suppose que c'était quelque chose de pas très sympa. Ah. On voit le dos. Salut. Quoi, deux déchiqueteurs chamanes? Putain, ça va être chaud. Ah, j'espère que leur qui régène pas, parce que. Ah, je devrais peut-être faire ici des attaques plus puissantes, mais. Ah, ils sont trop dangereux. Oh merde. Ah, il faut faire le combat. Non, non. Le retour sur son équipe. Oh non. C'est pas ça. Ouais, je suppose que ce fonds médical, ça coûte cher. Putain, mais dis pas que je suis obligé de retourner au centre de soins là. Ah si, village de Kalikori, ah oui quand même. Enfin, je me suis dit qu'on allait retourner au Temple Jedi, un truc comme ça. Je me suis dit, mais quand même pas. Quand même pas. Sinon, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai pas parlé des attentats, oui, parce que j'avais pas envie d'en parler. Parce que voilà. J'ai pas envie de mettre les gens de mauvaise humeur en leur rappelant ce qui s'est passé tout ça. Bon, ellipse jusqu'à ce qu'on arrive, hein. Je vais pas vous montrer tout le trajet. Regardez, on a un compagnon. On va essayer de faire la mission avec lui.
Bonjour Samas. Pourquoi tu tournes en rond? Non, je vais t'aider à le battre. Oui, c'est dit, il est en danger. Je suis au courant. Ah bah, c'est un chevalier Jedi. Bon, on va pouvoir se venger. Oh non, me dis pas qu'on va devoir tous les réapprendre. Bah, c'est cool. Grâce à son aide, on va pouvoir progresser plus rapidement. Bon. J'espère qu'il me restera assez de points de vie pour vous. Bonjour destructeur chaman. Destructeur chaman, pardon. Par contre, ce mec il est chevalier Jedi alors que. Mais il a toujours pas de sabre normal. Ouais, il est clairement surpassé. Attends, je vais t'aider mais. Tiens. Prends ça dans ta gueule. Allons-y, nous avons plus de temps à perdre, ouais, tout à fait. Il court plus vite que moi, ce mec. Je m'occupe du chaman Kara. Comme d'hab, je fais de sa poubelle. C'est un peu le contraire, en fait, ouais. Ah! C'est par là. Non. C'est par où? C'est par là. C'est là-haut, je suppose. Non, c'est pas là-haut. Non, ah bah c'est pas là-haut. Je m'occupe du déchiqueteur traditionnel. Non, on récupère deux. Ensuite, du traditionnaliste. Et voilà. Ouais, c'est pas où, c'est là-haut. On va battre lui, après on va regarder la carte pour voir. Et je me rends compte que il y a beaucoup de clics de souris à faire. Alors, par où est-ce qu'on va? Derrière. Ah, d'accord. Oh mon dieu, notre compagnon est. Oula, il a pas beaucoup de points de vie. Attends, viens, on va l'aider. Il va. Quoi? Ouais, régène, vaut mieux. Attends, vas-y, je te couvre, je te défends. Vas-y, regarde. Et voilà. Et lui, il est respawn. Oh bah, ça me fait d'XP, hein, ça me dérange pas. Et voilà. Urne gravée. Ok. Tiens, remercie-moi. En plus, il a toujours encore son truc de Padawan. Son vêtement Padawan. Tu viens? Viens, Samas. Phase Chevalier Jedi. Accès de l'histoire. Je suis le propriétaire. J'espère qu'il comprend un bonjour. C'est cool de jouer avec des gens. J'ai eu des gens au hasard. C'est voilà. C'est bien. Est-ce qu'on peut les contourner? Je suppose que non. Ah bah non. Oula, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je
sais pas du tout si ça a tout filmé et tout, mais bon. Oula, les textures qui bug. Oula, la souris qui va pas bien. Oula, 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 oula. Je sais pas ce qu'elle a. Ah, c'est bon. J'ai repris le contrôle de la souris. Je vais pouvoir me venger de ce mec. Je préférerais pas les affronter. On va les prendre par surprise. Enfin, par surprise. Ah, c'est bon, c'est que des technoramas. Comment je pensais que c'était du chaman? C'est bon. Ah ouais, quand même, ils sont posés dans leur truc. Hein. Ils ont tout bien aménagé et tout. Ils ont leur grotte depuis 12 années et tout. Tranquille. Elle ressemble un peu beaucoup au... Ah, un mini-boss. Qu'est-ce que c'est? Déchiqueteur maître guerrier. On va un peu attendre que notre fille se régène. Hein. D'ailleurs, inventaire. Qu'est-ce que j'ai d'inutile? Medipack basic. C'est sûr. Titre, l'illustre. Utilisation des verrouillés. Déverrouillé un titre pour ce personnage. Illustre. Attendez. Ah, c'est où les titres déjà? Personnage. C'est pas ça. Bon, écoutez, j'ai pas réussi à mettre un titre, mais on s'en fout. Allez, la vie a assez régène, on va pouvoir affronter le boss. J'espère qu'on n'entend pas trop les clics de souris, et j'espère surtout qu'on entend moi. Et voilà. Clé de la cage des déchiqueteurs. Dévorage la technologie. Donc là, il faut dévorer le cache. Trop loin. Terminé. Prendre les armes ou saboter le... Ou saboter la cache. Attendez. Heureux de servir l'ordre Jedi. Ok. Cette cache contient des armes et des technologies utilisées par les déchiqueteurs pour les prendre et les donner aux villageois, les saboter pour tuer les ennemis et ne rien faire. Mais ça vaut pour tuer les ennemis, non, ça c'est... Ah oui, donc là encore c'est un choix. Donc on va rester un bon Jedi et les prendre pour les donner au village. Avec tout ça, les Twi'leks pourront se défendre. Content de voir un Jedi, t'essaies de capturer par l'Égypte. Capturer... C'est tout problème, pas mieux. Je vais te sauver. Ne t'en fais pas, petit. Je vais te sortir de là. Ah oui, donc on sait maintenant. Entends-tu ça? Pourquoi est-ce que t'es dans le tunnel? Pourquoi est-ce que les déchiqueteurs t'ont amené ici? Apprends à nos soldats à utiliser ces armes. Forme-les sur les envahisseurs Twi'lek. Quand allons-nous attaquer les Jedi? Patience, Kalef. Les Jedi tomberont lorsque notre armée aura atteint sa pleine puissance.
Enregistrement de cette utile. Jedi, emmener tes enseignants et activer le montant. J'y garde roux. Je n'ai jamais compris l'utilité des boulons en traveur, de toute façon. Très bien, rejoindre la matriarche sous-marine. Eh bien, on a un petit partenaire. Besoin. Point de recharge. Bah, d'accord. Allez, viens, suis-moi. Rogueur 2 comme une mignon, le petit droïde. T7-1. T7-0-1. Oh, il est... Ah non, T7-O-1. Ok. Regardez, il est trop mignon. Bon, allez, on va faire une ellipse et on va rejoindre le village Twi'lek avec lui. D'accord, donc en fait, lui, il peut se faire tuer aussi. J'ai un peu oublié, bon, de mémoire. Oui, donc lui, il peut se faire tuer. Donc, faut faire attention. D'accord, ouais, donc ça, c'est ses capacités. Regardez, c'est sa masse. Il est nouveau là. Il a même son propre petit droïde. Ça y est, on arrive au village Twi'lek avec T7-O-1, notre partenaire. Et on va pouvoir retourner voir la matriarche et leur donner tout le matériel. La fameuse haute technologie, technologie sauvage. Bon, matriarche sous-marine. Attendez, c'est quoi ça? Ministre, ouais, non, c'est pas. Je pensais que c'était un marchand. Il y en a un d'ailleurs, un marchand. Attendez, est-ce que notre inventaire est plein? Oui, bah, je vais juste faire un rapide détour vers un marchand. Elle est morte dans mes bras. Tu aurais dû voir ce que ces monstres lui ont fait. Je suis désolée, Célo. On partage tous ta peine. Pour chacun des nôtres que les déchiqueteurs ont tué, on devra en tuer 10, non, 100. Est-ce que ça ramènera ta femme à la vie? Je n'ai que faire de votre morale, Jedi. Ma femme est morte, notre peuple a été massacré. Que faisiez-vous quand ça s'est produit? Récupérer les armes pour... pour récupérer les armes pour... J'ai pris toutes les armes des déchiqueteurs pour que vous puissiez vous défendre. Enfin, un des vôtres qui nous comprend. Donnez-moi ces armes. On va pourchasser les déchiqueteurs. On se vengera. Ah d'accord. Ah non. Donc ça c'est un choix de chevalier Jedi. Donc alors ça c'est côté obscur, côté clair et ça c'est. Ah il y a deux côtés clairs. Ah ouais, donc faut en faire attention bientôt. Faut en faire attention. Donc vous mourrez si vous courez après votre vengeance. C'est Rana, je sais pas qui c'est Rana. Donc on va faire à la maître le joy. Si après votre vengeance, vous courez, vous mourrez. Vous êtes sous le choc. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est un blaster. Laissez-moi m'occuper des déchiqueteurs. Ta femme ne voudrait pas que tu donnes ta vie pour te venger. Je te promets qu'on mettra un terme à ces attaques. Beau travail, Padawan. Il ne se sent peut-être pas mieux, mais au moins il ne s'attirera pas d'ennui. Les gens se demandent pourquoi les Jedi n'ont pas le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ils ne savent pas que les liens sont une source de souffrance. Les émotions passionnées peuvent détruire quelqu'un. Et les Jedi détruits par la passion deviennent des choses horribles. Et toi, hein? J'ai un rapport de... Ah, vous connaissez tout. Ce droïde dit qu'il travaille pour les Jedi. Est-ce vrai? Oui, c'est une de nos sondes longue portée. On en a envoyé 20. C'est le seul qui soit revenu. Pendant que je m'occupe du droïde, va parler à Rana. Je pense que son peuple est prêt à nous aider. Grâce à toi. De la milice. Oui, c'était ça, c'était bien la fin de l'enregistrement. Ah non, c'est elle, Rana.
Oh, attendez. Écoutez, ça bug un peu, je sais pas pourquoi. Ça met une souris d'ordinateur blanche au lieu de faire le truc ici. Ça dépend des endroits en fait. Grâce aux armes et à la technologie que vous avez prise au déchiqueteur, mon peuple pourra se défendre. Vous avez risqué votre vie pour nous aider. Mon peuple n'a pas eu de champion depuis longtemps. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça ce qu'il disait avec les histoires d'amour. Donc on peut draguer les PNJ. Ok. Ne sois pas trop sentimental. L'attachement amène au côté obscur. C'est un honneur d'observer. Non, je suis un Jedi, je peux pas me le permettre. Tu peux faire appel à moi quand tu veux, bébé. Les Jedi ont le devoir de protéger et de défendre autrui. Et on a promis de partager notre savoir en échange de ce devoir. Les éclaireurs disent que les déchiqueteurs rassemblent leurs forces. Ils contrôlent déjà les montagnes qui nous entourent, et maintenant ils envahissent les ruines de Kaleth. Mes hommes les ont repérés dans les ruines de l'ancien tombeau, pas très loin de votre temple Jedi. Kaleth était une grande ville d'utilisateurs de la force. Il y a dans ces ruines des pouvoirs qu'on ne comprend pas encore. Les déchiqueteurs cherchent quelque chose là-bas. On ne peut pas les laisser trouver ce qu'ils cherchent. Il faut immédiatement repousser ces déchiqueteurs. Je dois ramener ce droïde au conseil. La personne qui se couvre le visage dans l'hologramme. Je connais sa voix. La situation est plus grave que je ne le pensais. Fais ce qu'il faut pour repousser les déchiqueteurs hors de Kaleth. Je t'enverrai des renforts dès que je pourrai. Qu'est-ce qu'il faut pour repousser les déchiqueteurs hors de Kaleth? Je t'enverrai des renforts dès que je pourrai. Je suis prêt, c'est tout. Je n'aurai pas besoin de. Attendez, c'est tout? Je serai Je prêt. résisterai jusqu'à l'arrivée des renforts, maître. Si tu croises l'homme au visage masqué de l'hologramme, ne l'attaque pas. Maintenant, vas-y. J'ai bien compris, il faut pas que j'attaque le. Mission techno. Terminée. Et aux technologies sauvages. Ok, non, ça finit toujours. Écoute, tant mieux. Hein. Aux technologies sauvages. Donc, enfin, déjà, attendre que le truc finisse de charger. Voilà, prends tout ton temps. Oula. Je sais pas du tout ce qui se passe. C'est très bizarre, mais bon. Allez. Ouais, niveau 6. Toujours pas écrire dans le chat. Oui, jusqu'au niveau 10. Bon, je serai bientôt au niveau 10. Bon, il faudrait que je trouve un entraîneur aussi. On va mettre ça sur entraîneur. Et on va quitter la maison des. Au jour, je te traverse. On va quitter la maison des Twi'lek pour explorer l'ancien tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Voilà. D'accord, donc c'est par là-bas. On va s'y rendre tout de suite. Donc, je suis arrivé Le au nouvel tombeau. apprenti de Maître Orgus? Oh, ça alors. Tout le monde dit que vous maniez très bien les vibro-lames. Je suis Fia. Le Padawan Fia. Je n'ai pas encore l'habitude d'avoir un titre. Je commence juste à découvrir la force. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à votre niveau. Vous avez l'air un peu vieille pour commencer l'entraînement. Il y a encore quelques jours, je ne savais même pas que je pouvais utiliser la force. Je n'arrive toujours pas à croire que je sois ici. La semaine dernière encore, je travaillais sur un vaisseau qui transporte les ordures sur Axis Prime. Et puis, Ah bon, à cet l'époque, ils horrible recrutaient Jedi a surgi de les nulle Padawan part quand et ils m'a avaient dit cet qu'il âge. sentait la force en Parce que dans moi. Star Wars 1, ils refusent Ça arrive à Anakin combien de d'abord parce qu'il personnes a ce 9 genre de ans, choses? parce qu'il serait trop vieux. Horrible, En pourquoi horrible? général, les Jedi n'ont pas la réputation de faire peur. C'est un Keldor. Pour des aliens, ils ont l'air plutôt méchants. J'ai d'abord cru qu'il allait me manger. Dites, vous connaissez Maître Tilin? C'est lui qui m'a trouvé. J'essaie de lui envoyer un message. Maître Tilin fait des recherches sur une énigme dans les ruines de Kaleth. Quelque chose à propos de vieux droïdes qui attaquent les hommes. Si vous allez vers les ruines, est-ce que vous pourrez lui donner cet holo-enregistrement de ma part?
Je vous en serai très reconnaissante. Je me porte volontaire. Magnifique. Je comprends pourquoi vous impressionnez tout le monde ici. Voilà l'holo enregistrement. Maître Tilline a un petit campement à l'extérieur des ruines de Calette. Merci. Pour parler au Jeune Tilline. Oui, donc je veux bien explorer l'ancien tombeau, mais c'est bloqué. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de chemin. Pas d'autre chemin pour y accéder. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut le contourner? Je sais pas comment on fait. Je sais pas. Quoique, attendez. Ah, c'est peut-être possible. Ah, ah. Oui. Bravo. Voilà, c'est pas si difficile que ça. Par contre, comment j'y accède? Là-haut, là, j'y vais comment? C'est un peu... Enfin, je sais pas, voilà quoi. Voilà, voilà, c'est très bizarre, très compliqué. Il n'y a aucun moyen d'y accéder. Peut-être de l'autre côté, je vais chercher, je vais chercher. Ou alors il faut tout simplement grimper. Ah, ah, non, ah, j'y étais. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Il manque plus que ça. Et voilà. Ben voilà, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Rangé. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Il m'agresse ce truc? Oui, il m'agresse. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immonde. C'est moche. Sérieusement, mais c'est qui a inventé ce monstre? Gants en cuir des chenilles. Ah, guide. Je suis très intéressé par ce truc. Bon, eh ben, on va encore devoir grimper. Voilà. C'est très très l'épisode bloqué. Bon, comment on va monter là-haut? Par où déjà? C'est ma petite idée. Wow, c'est pas très très facile. Voilà, peut-être. C'est chiant parce qu'avec les mouvements de caméra, c'est... Ah, voilà. Est-ce que j'arriverai à sauter plus haut? Ah merde. Ah, je sais ce que je vais faire. Alors, je crois que j'ai trouvé la technique. Il faut d'abord sauter sur ce rocher, puis sur celui-là, puis monter là-haut. Ah, enfin. Eh ben. J'allais dire, on a une belle vue de là-haut, mais il y a plein d'arbres. J'ai pas forcément envie d'affronter ces guides. Je sais pas comment on dit. Dans l'encyclopédie, ils disent qu'ils sont... Non, ils sont pas forcément agressifs. Ils se défendent. Ils font ça juste pour se défendre. Enfin, moi, j'ai rien demandé, moi. Ouais, c'est là-haut qu'il faut monter. Ouais, je vais t'affronter, toi. Ouais, il est niveau 7, celui-là. Ouais, c'est de la triche. Avant, il était niveau 6. Limite, si c'est pas programmé pour avoir un niveau plus que toi. Oui, il faut que j'arrête d'essayer de trouver des explications à tout. Beaucoup de manières. On va bien longer le mur pour bien éviter le mur. Et voilà, ni vu ni connu. Oh
savez quoi, hein, je vais attendre d'être devant le tombeau et on reprend quand on sera là-bas. Nous voici devant le vieux tombeau avec Chevalier Jedi et Xarkil. Allez, viens Xarkil, on y va ensemble. C'est une zone d'histoire propriétaire fille. On vit. Adept. Pour l'instant, il m'attaquait pas, je pensais qu'il était pas hostile. Mais... Ah, je ramasse son stuff plus tard. C'est pas le moment. Je dois me battre. Pour toi là, je vais te tourner en rond. Là. Prends-toi, allez, je prends tout. Allez, je fouille pendant le combat. Rien à faire, pas de respect. Il y en a un, il a surgi en plein milieu des deux. Modiolo. Et voilà, ancien tombeau. Voilà, nous sommes arrivés dans l'ancien tombeau. Donc c'est là-bas. Bonjour, c'est quoi ton déchiqueteur à tête ici? Oh, c'est le même que les autres. Eh ben, le bestiaire est varié, hein. Bon, je crois qu'on approche à une bonne trentaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là, qu'on se dise au revoir et qu'on se donne rendez-vous dans le prochain épisode de Star Wars The Old Republic. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire votre avis, à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Allez, salut tout le monde.